Yo yo yo, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Dragon Quest Monster Joker 3 professionnel. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait des changements. Vous allez voir ça tout de suite dès que je mets le layout. Attention. Voilà, il y a du changement, vous le voyez, je vous spoil direct. Et oui, même pas je vous présente les monstres. Il y a eu des changements par rapport à la dernière fois. Vous pouvez le voir, il y a donc un gluant, enfin un bijou royal de platine qui se trouve ici, que j'appelais God Slurp. Hein. Voilà, on reste avec toujours le même nom, God Slurp, qui du coup, il a des très bonnes stats, hein, comme vous pouvez le voir. Je lui ai mis glace SP, guérisseur, bonus PV SP, bonus sagesse SP, normalement, jusque là ça l'affiche pas. Et on a toujours notre petit Draculord qui est là, qui du coup il est un petit peu en dessous, mais bon, voilà, on le garde toujours. Et on a ici toujours les mêmes petits copains que je dois encore peaufiner par la suite. Je dois faire un Stark et tout, mais il me faut des monstres. Je suis en train de voir pour ça, donc c'est pour ça que j'ai ce monstre là que j'ai fait tout à l'heure, à l'instant, en faisant un smilodon noir. Donc pour ça il vous faut 4 smilodons, enfin les petits smilodons noirs pour faire le gros. Ils en font 4. Ça se fait assez facilement, enfin il faut des rois orques et je ne sais plus quoi, des spiritueurs il me semble, et ça se fait assez facilement. Et bon, lui par contre je trouvais pas trop la synthèse et j'ai réussi à le faire avec ces deux là. Lui on peut le revoir dans le parcours, donc c'est pas grave, le petit Glanzer. Du coup pour faire le marte-pointe, et ça donne le petit en capuchonneur qui est assez stylé. C'est un rang S, voilà, qui est du coup il est plus 99, il est à peine niveau 1, j'ai pas pu le monter là, donc déjà niveau 1, vous voyez que c'est quand même des... voilà, ça tape, hein. Il a des bonnes petites stats. Imaginez, du coup, plus haut level, c'est vrai que ça doit être sympa. Je vais lui mettre, du coup, non, pas là. Quoique, attendez. J'ai rien à monter, là. Ah, si. J'ai des trucs à monter, oui. Attendez, on va le faire. On va le faire, évidemment. Je sais pas si ça donne un truc, Bang et Elec Plus. Des fois, ça peut débloquer des compétences, donc je sais pas, on verra bien. Hop. Et c'est à peu près tout. Oui. C'est à peu près tout, je vais quand même l'équiper. Qu'est-ce qu'on lui met? Ouais, j'ai déjà des trucs mis. Alors après, attendez, parce que j'ai des trucs mis, mais... ça dépend sur qui. Agilité. Voilà, l'agilité, tant qu'à faire. Pour l'instant, je m'en fous. De toute façon, je vais peut-être pas l'utiliser, hein, je pense pas. Puisque c'est plus pour de la synthèse. Du coup, oui, la dernière fois, on a fait le ciel. On a fait un petit rush dans le ciel. Hein. On a battu 4 boss, hein, je crois. Il me semble, on a battu qui? On avait battu... Bundled. Azmak. Qui d'autre aussi? Bundled. Azmak. Bidule, là. Le golem, je sais plus son nom. Merde. Je ne sais plus son nom. Le golem, du coup. Et on a battu Deathrim. Du coup, on a fait 4 boss. J'ai rushé avec le sultan gluant. C'est vrai que c'était assez facile. Et là, du coup, forcément, avec lui, ça va être encore plus simple. Peut-être, j'espère, on verra. God Slurp qui... bon, il est niveau 73, en même temps, forcément, ça me sert à farmer les autres monstres, donc voilà, lui, il est à fond, du coup. Pour l'instant, là, c'est le main, du coup, je le fais en grand gluant, du coup, c'est vrai que c'est assez fort, hein. En grand bijou royal, comme ça, ça tank encore plus, hein, parce qu'ils ont des sacrés trucs. C'est dans quoi? Non, c'est pas ici. Tiens, d'ailleurs, je t'ai rien mis à toi? Attendez, on va lui mettre un petit truc à la con. Tiens. Voilà. Qu'est-ce que... oui, les montures, c'est où? Ah, oui, là, ici. Combinaison. Ouais, je l'ai déjà fait. Je vais le refaire. Ah, zut. Attendez. Je refais. Hop. Ça, et... mais il est où, Pierrot? Où est Pierrot? On l'appelle Pierrot, hein, évidemment. Là, ici. Voilà.
ça donne globalement ça, les stats quand il est quand il est en grand du coup. C'est fort. C'est niveau défense et sagesse, c'est pas mal. Ça roule un petit peu sur beaucoup de choses et il tank très très bien, donc c'est vrai que c'est assez fort. Du coup, je fais ça comme combinaison. Et j'ai fait d'autres trucs aussi, j'allais oublier. J'ai du coup mis des... Enfin, apporté des monstres. J'ai commencé à apporter des monstres des QMJ3, de ma sauvegarde, des QMJ3, donc du let's play, hein, tout simplement. Du coup, on a... Non, c'est pas ça que je veux faire. On a le petit Zeldorad, normalement, qui est quelque part, là, ici, que j'ai importé. Donc, forcément... Quand on les apporte, on voit plus les synthèses ici. Si vous voulez, c'est comme si ils avaient, on les avait comme ça, sans synthèse. Du coup, il y a rang SS, level 50, parce qu'il n'y a pas de plus 1, plus 2, enfin plus 45 ou je sais pas quoi. Là, c'est SS tout seul. Du coup, forcément, il est limité à 50 et au niveau des stats, pour l'instant, forcément, c'est pas fameux puisqu'il n'y a aucun monstre en dessous en fait. Et c'est pareil pour tous. Du coup, j'ai commencé à importer lui, j'ai commencé à prendre l'Andragon aussi, qui pourrait peut-être m'être utile. C'est à peu près tout, on avait déjà Psaro depuis très très longtemps, qui est là, qui me sera utile aussi. J'ai fait autre chose. Oui, je vais aussi importer eux, qui vont me servir à recolorer des monstres pour faire la petite astuce pour, entre guillemets, cloner des monstres et pour pouvoir les utiliser plusieurs fois. Voilà. C'est à peu près tout. On va continuer du coup la suite hein, de l'aventure. Enfin, continuer. On va faire le jeu. Je sais pas si on arrive directement à... Oui, va chercher. Je sais pas si on arrive directement. Il me semble qu'on arrive directement au boss. Hein. Est-ce qu'on finirait pas la partie... partie principale de l'histoire, peut-être, c'est possible, on va voir ça, je m'en souviens plus, je vais déposer le peu de sous que j'ai tout dépensé dans les recharges pour le disque de métal, tout simplement, donc, donc voilà, j'ai plus rien, j'ai plus de sous, en termes d'objets, ouais, au niveau des soins, c'est pas foufou, après, est-ce que j'en ai besoin, franchement, vu comment je suis, en vrai, je suis sûr que j'en ai même pas besoin, donc on va y aller comme ça, franchement, on est des foufous. On va y aller comme ça. Je dois refaire ça. Non, on va se téléporter directement. À quel endroit? Je sais plus si je l'avais. Bon, on va regarder. Il y a un endroit où j'ai pas visité les îles dans le ciel. Je sais plus à partir d'où. Je crois que c'est à partir d'ici. Bon, on verra bien. Signal de vol, tac. Alors, c'est à partir d'où? Ici peut-être? Peut-être. On va regarder. J'en ai fait une en off, je sais. Mais je sais plus à partir d'où. On va checker ça vite fait. Bon, il y a des objets. Ok, très bien. Toujours des objets un peu cons, hein, évidemment. Oui, pourquoi ça casse? Je ne sais pas. What? En fait, il n'y a rien ici. Eh oui, il n'y a rien. D'accord. C'est... Là, c'était du troll. D'accord. Ok. Ben, c'est pas sympa. Du coup, ce n'est pas sympa du tout. Très bien. Merci. Mais je sais plus si je les avais fait avec vous ou pas. Il me semble que ouais, j'avais... Vers la fin, j'avais rush un petit peu des endroits, mais je sais plus lesquels. Au pire, j'ai envie de dire, en soi, il n'y a jamais rien d'intéressant à part des monstres. Donc, en soi, hein, je le fais en accéléré, déjà, parce que c'est chiant à mourir, ce truc-là. Faut se le dire. Et... Non, il n'y a rien. Ok. Alors, peut-être que je les avais visités et que c'était au-dessus. Peut-être ici, à partir de là, que j'ai pas fait. Ah! Bah non, je l'ai fait aussi. Bah d'accord.
Bah d'accord, ok, très bien. Ah mais attendez, oui, voilà, ok, je reviens. Ok, ben très bien, j'avais fait aussi, bah décidément. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ah, peut-être là-bas. Oui, voilà, ça je l'ai pas fait. Ok, hop. Bah alors? Attendez, je suis trop près, je crois. Là. Ah, l'accéléré qui tient un peu la tronche. Hop. J'ai aussi trouvé un petit truc de ténérium là pour faire une chimère. J'ai trouvé au volcan ardent. Voilà. Je vous dis un petit peu les trucs que j'ai fait, que j'ai trouvé en off, hein, mais globalement quand je me promenais, j'avais trouvé une boîte furtive au volcan ardent, du coup. Enfin, un volcan ardent ou sombre bassi, je ne sais plus. Sombre bassi, je crois, mais je suis pas sûr. Bref, on s'en fout. On s'en fout. Ici, tiens. Que je regarde un petit peu. Ah, là, c'est la technologie. On arrive. Je crois qu'on arrive au cœur, hein, bientôt. Ça se voit, ça se voit. Youp. Alors, je vais éternuer. Protégez-vous les oreilles, au cas où. Oui, et... D'accord, y a rien. Merci. C'était très... très... très sympa ce que j'ai fait. Il n'y avait que dalle. En plus, je me fais attaquer. Bon, hein. Merci. Bon, du coup, c'est très sympa, le... le bijou royal de platine, là, c'est... Ouh, je pèse dans le game, hein, on va dire. Oh là là. Oh là, on le voit, là. Là, c'est le mal. C'est le mal. Oh, t'es grand, toi. Il y a... C'est tout, il y a rien. Ah, si, il y a un truc, là. Attendez, il y a un truc. Oui, mais... Ah oui, ok. Ok, très bien. Bioum. Caméra, merci. Biou. Ok, d'accord, ok. Tout ça à faire. Allez, pose-toi. Encore. Décidément. Biou. Le réacteur réagit. Bah voilà, boîte furtive encore. Nickel. Alors, c'est... Bon, après, c'est tout des trucs pour faire de l'équipement, hein, donc ça reste quand même assez utile. Allez. On retourne, et du coup, on arrive à ce truc. Alors, c'est le cœur. De toute façon, après le volcan ardent, il y a... Après le volcan ardent, on est d'accord, il n'y a plus de zone, hein, c'est... on arrive au cœur. Ouais... Oh là. C'est moi où je vois... Attendez, c'est le cœur ou c'est un monstre, ça? Hein, c'est le cœur. Non, il est là-dedans. Il est classe, quand même. Vous êtes enfin arrivé. Ça suffit, docteur Villotte. Je ne désire plus être appelé par ce nom. Je ne fais plus qu'un avec mère et je possède le pouvoir d'un dieu. À partir de maintenant, vous m'appellerez... Villemazer. Ok. Il est stylé, quand même. Maintenant, inclinez-vous devant moi, car je suis votre nouveau souverain, tout-puissant. Ne vous embêtez pas à résister à la résistance d'un mortel envers un dieu est futile. Épargnez-moi vos efforts inutiles. Non. Nous ne nous inclinerons jamais devant vous. Et nous ne gaspillerons pas non plus notre énergie. Ah bon? Ça ne peut pas aller plus loin. Un imposteur comme vous n'a pas le droit de faire ça, mère. Non, bah oui. Comment osez-vous me parler de la sorte? Vous devez vraiment avoir envie de mourir. Permettez-moi alors de démontrer mon nouveau pouvoir divin. Vous réaliserez l'erreur de vos choix cette fois. De tels péchés ne doivent pas être impunis. Alors, de mémoire, il me semble qu'il y a deux combats. Est-ce qu'on laisse combiner ou pas? En vrai, ça fait gros monstre contre gros monstre.
Par contre, juste... J'avais pas plus de PV que ça? Ah, peut-être pas, non? Parce que là, si je sais pas... Hein... Attendez. Ah ouais, non. Ok. Il me semblait. Bon, écoutez, on va faire le... On va tenter comme ça. Est-ce qu'on part sur... Oui, allez, on va faire une petite accumulation de tension. C'est sympa d'avoir de la tension... Ah ouais, ok. Évidemment, évidemment, perturbonde. D'accord, ok. On va faire support. Est-ce que je donnerais pas quand même l'ordre de faire... Alors il a tout ça, ok, multi-soin, rappel, méga protection, M de rush, ok. Peut-être faire un petit méga protection dans le doute. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé, attendez. Méga protection. Et puis on va le laisser voir un petit peu. Voir ce qu'il fait. Pression terrestre. Ah ouais, d'accord. Ah, il fait plus de 1000. Ah, c'est trop bien ça. Ok. Et si j'arrive à caler un tension 100. Merci. D'accord. C'est... Voilà. Après, c'est vrai que j'aime bien arriver quand même un petit peu fort, mais je... On me dit c'est difficile. Moi, j'arrive, du coup, je... Voilà, c'est... En gros, le truc avec moi, c'est... Soit je fais rien pendant des mois, soit, au bout d'un moment, j'arrive et... J'ai fait des trucs complètement, complètement fumé, voilà, il n'y a pas d'entre-deux avec moi, moi c'est tout, rien. Aïe, oh, j'ai pris des dégâts. Mais arrête de faire ton perturbonde, coquin malin. Coquin malin, évidemment. Ok. Eh ben, on va le mettre support, mais je vais faire donner l'ordre de faire tension. Une petite tension 5, quand même. Pas de sympa, voilà. Ah bah, c'est déjà bien, hein, quand même, pour tension 5. Pression terrestre. Perturbante, c'est chiant. C'est vraiment très relou. Mais tu me soignes, en fait, mon pote. T'es en train... Tu me soignes, tu peux rien faire contre moi. Contre mon bijou royal de platine. Tu ne peux rien faire contre mes bijoux. Mes gluants. Mes glujoux. Et ouais. Et ouais. C'est bien, tu fais perturbante, ok. Ok. En vrai, ça, franchement, easy. J'aimerais quand même caler une tension, en vrai. Mais il va je tente une dernière fois, mais je pense qu'il fait un perturbant automatique dès que j'ai... à mon avis, je pense... Ouais, voilà. Voilà. C'est impossible de lui caler une tension sans... Voilà, il me faudrait un tambourin de tension et que j'attaque, et encore, s'il attaque avant moi... Non, mais regardez, on va faire... On va le mettre en sans pitcher. Voilà, c'est un gros malade. En mode gros malade mental. Ouais, bon, ça par contre, c'est pas foufou. Voilà, juste plus trop de temps de PM. Ah, merci. On va quand même... voilà, un petit... Je sais combien?
80. Oh, allez, un petit élixir du sage. Je vais quand même le remettre en support. Histoire que... Voilà. Voilà, hein. Brûle gluant. Ça augmente tes... Oh, méga tornade. 1109. Ok. Je sais pas combien de PV il a, mais... Pour l'instant, il tank. À mon avis, je pense que le prochain tour, c'est le dernier. Ouais, j'ai pris des dégâts, mais... Mais il me soigne. Mais il est gentil, voilà. Écoute, mon pote, bah voilà. Je l'avais dit. Je l'avais dit. 100 000. Voilà, bah, je prends un niveau, en plus. Merci. Voilà, voilà. Très gentil. Super. Bon, je crois qu'il y a une deuxième phase, hein, il me semble. Comment est-ce possible? Ne suis-je pas encore assez fort? Mais ce pouvoir, j'ai atteint un pouvoir absolu. Non, 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 ça va être une sorte d'erreur. Les mortels ne peuvent pas détruire les dieux. Enfin, leurs dieux. Alors, si je divise... Enfin, si je défusionne, je pense que le gland de platine peut s'en sortir. Enfin, le bijou royal de platine peut s'en sortir. Par contre, l'autre, je pense pas. Hein, Draculord, je pense que c'est chaud. Il a plein de PV, mais niveau défense, c'est chaud. On peut essayer, hein, mais à mon avis, je pense que... Enfin, je pense que c'est chaud, quoi. Très bien, c'est ça. Nous pouvons enfin purifier Mère. Villemazer ne devrait plus pouvoir empêcher cela de se produire. Ouais. C'est la fin? Non, comment est-ce possible? Je refuse de laisser cela se produire. Si je dois mourir, alors tout le monde tombera avec moi. Mère est complètement épuisée. Elle est irréparable. Vous ne pouvez pas la purifier car elle ne peut plus fonctionner. Sans mère, ce monde s'effondrera de lui-même. Et vous mourrez tous en imposant. C'est un méchant. C'est un méchant, ça se voit. Hein. Il est méchant. Ok, attendez, il n'y a pas de deuxième combat là? Deuxième combat fini? Enfin, capote? Il n'y a pas de... Ah. Il n'y a pas un deuxième... Ah, je sais plus. I don't know. I don't remember. Voilà, c'est de l'anglais. Oui, alors j'ai le chat qui... Attends, il y a une cinématique, je peux pas mettre pause. Attends. Je dois l'ouvrir la porte, mais... Attends, il y a une cinématique de la mort qui tue, là. Allez. Je peux pas m'arrêter, là, comme ça. On va attendre qu'il y a du dialogue, je vais pouvoir m'arrêter. Enfin, je vais pouvoir juste ouvrir la porte, me lever. Là, il y a pas de dialogue, il y a rien. C'est chiant. Il reste encore une chose à essayer. Tu te souviens de ce que je t'ai dit avant de venir ici? Non. J'ai oublié. Peu importe ce qui se passe, je dois faire tout ce que je peux pour détruire Vilotte et restaurer Mère. Peu importe le coup. Ah oui, d'accord. Bah, je m'en souviens. Ah, elle se transforme en Super Saiyan? Oula. Oula. J'ai été créé par le... cœur de mère, même si je ne suis pas assez pour la réparer. Ah, je crois qu'il manque un mot. Assez fort? Je peux l'empêcher de s'effondrer. C'est vrai. Si je peux réintégrer mère, alors ce monde devrait rester intact. Oh, musique triste. Je te remercie, Fulito. Je prends le relais. La colère du docteur Belotte nous hantait sur notre planète natale et a continué de le faire ici. Mais tu as mis fin à toutes ces souffrances. Maintenant, c'est mon tour. Tu as toujours été ma responsabilité. Ça a toujours été ma responsabilité. Cependant, je n'ai pas pu faire ce qui était essentiel.
À présent, je dois faire tout ce qui est nécessaire pour protéger ce monde. Ça a toujours été le seul but de mère, après tout. C'est mon dernier au revoir, Philido. Je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour moi. Il est maintenant temps pour moi de retrouver mère et de te renvoyer dans notre monde. Ah non! Ah ben je crois que si. Hein. Ah ben on se transforme en Super Saiyan aussi. Nice. Regardez, qu'est-ce qu'il y a? Super Saiyajin. Avec les cheveux et tout en plus. Si j'avais le temps pour un dernier souhait, ça aurait été de parcourir ce beau monde avec toi une dernière fois. Cependant, je dois rester ici, dans le cœur, où je peux continuer à veiller sur vous. Ok. Au revoir, Philito. Ah ben, salut. Salut. Non, ne pars pas. Bah si, hein. Ok. Du coup, il n'y avait qu'un seul combat. Mais il y a le post-game. Pas le... Il y a le post-game, il y a le post-post-game, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Logiquement, je crois qu'on a fini le... Il me semble que ça va se calmer, on aura fini le scénario principal, si je dis pas de bêtises. Ah oui, d'accord, d'un coup. Il y a la belle musique. Ah, il y a notre pote. Qui nous, je crois qu'il nous rejoint en plus. Voilà, on va faire toutes les zones, je crois. Oui. Tout le monde est content. Ils sont tous heureux. C'est cool, comme ça j'ai hâte de pouvoir faire un peu le post-game. Mais moi il y a toujours les trucs, hein, les, vous savez, les cailloux, les stèles qu'on voit un peu partout. Ça me turlupine un peu, hein, j'ai hâte de découvrir ça. Et il y a les trucs là, les fameux, le scooter, et en plus j'ai revu hein, quand je me suis un peu promené, j'ai un peu farmé. Il y a le scooter dans le Volcardon. Et il y a une hélice de dirigeable à la sombre Bastille. Et oui, j'avais pas capté au début, mais en fait, hélice de dirigeable, scooter. On utilise un scooter dans des QMJ1. On utilise un dirigeable dans des QMJ2. Et moi, je me dis qu'il y aura peut-être un lien, il y aura peut-être un petit truc par rapport à DQMJ. Eh bah voilà, on a fini l'histoire principale. Bah voilà, bah c'est cool. Voilà, on a fini le scénario principal, tant mieux. Ça a pas trop changé du coup. J'ai hâte de voir le post-game. Mais ouais, ça y est, on a fait ça. Et du coup, oui, hâte de voir. Est-ce qu'il y aura un petit lien avec DQMJ1, DQMJ2? Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. Est-ce qu'on... Bon, je pense qu'il y aura un petit peu de scénario à faire. Enfin, des petits dialogues, je pense, après le truc, quand je vais me reconnecter. Donc, enfin, relancer le game. Donc, on va quand même laisser passer les génériques. Même si c'est pas le plus intéressant, on est d'accord, hein, parce que... Bon, on voit tous les monstres qui ont été... Enfin, qu'ils ont cherché dans les Dragon Quest de la saga principale. Zeldorad, il venait de... J'ai pas fait gaffe. Mais je crois qu'il venait de... Dragon Quest 7, peut-être. Hein, peut-être. Je sais plus, j'ai pas fait gaffe, c'était lequel. Donc là, c'est les monstres propres à DQMJ3, je crois. Ouais, ils ont quand même cherché partout. Hein. Il y a les points d'interrogation, c'est pour montrer qu'il n'y en a pas encore. Ok. Monstres dressés, 135. Bon, ça, il y en a juste 700, je crois, des monstres en tout.
Ah, et la musique, du coup, évidemment. De Dragon Quest. Ça, c'est cool. Ouais, heureusement, ils mettent la musique. Kira Toriyama, évidemment. Est-ce qu'on laisse le générique? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont le mettre en entier? Je ne sais pas. Ah! On voit notre petit bonhomme. Ah ouais, il y a des petites images. On peut les laisser. Elles sont cool, les images. On est quand même assez stylé, je trouve. Hein, quand même. L'art 3 qui est sympa. C'est vrai que ce DKMG 3, il fait très... Enfin, 3 professionnels, c'est pareil. Hein, mais ça fait très futuriste. En même temps, forcément, ça se passe des siècles après DKMG 1, DKMG 2. Et si j'ai un petit peu compris le truc, sur une autre planète, parce qu'elle parle de la planète natale, de... avec le docteur Belote et tout, donc la planète de DQMJ 1 et 2 n'existe plus apparemment, je crois. Du coup voilà, on est carrément sur une autre planète et tout, et dans un monde, dans le futur aussi, plusieurs siècles, donc c'est vrai que c'est ça change vraiment de DQMJ 1 ou DQMJ 2, là où c'était vraiment assez proche hein, au final. Là c'est vraiment encore autre chose. Mais bon, j'aime bien, il change un peu. Voilà, je préfère toujours DQMJ 1. Après la nostalgie, mais c'est vrai que DQMJ 1 c'était vraiment un truc. J'aime bien ce DQMJ 3, mais voilà. DQMJ 1, même DQMJ 2, hein, c'est vrai que voilà, je les préfère. Mais j'aime beaucoup ce 3 parce qu'il apporte pas mal de choses, c'est vrai. Des nouvelles mécaniques et tout qui sont sympas. Le fait qu'il n'y a plus besoin, on peut avoir deux monstres, on peut faire une synthèse directe, on n'est pas obligé d'avoir un plus, un moins, ça c'était chiant. C'était chiant. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Pourquoi on a... Ah, c'est Raptor là, on est d'accord? What the fuck? Pourquoi ce Raptor? Alors je suis sûr que ça explique des trucs en plus, hein. Bah pourquoi c'est un Raptor? Oh là, attendez là. C'est moi je vois. Ah moi je vois un peu. Oh là, d'accord. Par contre il y avait un petit monstre à côté qui ressemblait un peu à l'Incarnus. Pourquoi Raptor? Il se bat contre qui là? Je ne sais pas. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire, hein, mais est-ce que ce serait pas des indices pour un peu le post-game? Non, c'est possible. C'est possible. Is it possible? Allez, finis le générique, s'il te plaît. Bon, vous m'en voudrez pas. Quand on est à la fin. Allez, on attend les dernières notes. Voilà. Ça se finit maintenant. Bah voilà, je chante très très bien évidemment. It's good. Bah apparemment. Voilà. Il y a du... Là à mon avis, petit indice pour la suite. Il y a nous, avec le petit Nacho, d'accord. Coucou. Dis du lutte. Tu peux m'entendre, Fito? Si tu m'entends, réponds. Oh. Oui. To be continued. To be continued. Ok.
Vous avez réussi, hein, le point principal du jeu, vous pouvez utiliser la machine à synthèse pour réaliser des super... Des super fusions? Ah, je m'en souviens plus des super fusions, je sais même plus ce que c'est. Parlez avec Ace chaque fois que vous souhaitez effectuer un essai. Ok. De plus, sur la place Wi-Fi, ok. Parlez à l'ange d'or chaque fois que vous avez le bon steak pour le faire. Tu as apporté la paix au monde brisé. Obtenu une graine de joie 40. Ok. Bon, très bien. Bien, bien, bien. Allez, on va faire quand même continuer, histoire de voir où est-ce qu'on atterrit, machin, tout ça. Mais, on va se cesser là, je pense. Hein. Tu peux m'entendre, Fito? Si tu m'entends, réponds. Oh, allez, ne me dis pas que tu as déjà oublié le son de ma voix. Voyons, c'est moi, Lucia. Tu es vraiment quelque chose, tu le sais, ça? Ah bon? Peu importe, c'est un sacré travail que tu as accompli. Abattre la racine de tout le mal sans oublier le reste. Tu as probablement une tonne de questions pour moi, mais d'abord, j'aimerais te remercier officiellement en personne. Je t'attendrai à l'intérieur du parc du bois. Ok. C'est vrai qu'elle était... normalement, elle était pas morte. Oui. Super. Super, merci. Oui. Ok. Bah écoutez, on va aller la voir vite fait, histoire de finir un petit peu sur un truc. De mémoire, il me semble qu'à... non, pas de mémoire, parce que en fait, non, je m'en souviens plus, mais je pense que, logiquement, on devrait pouvoir débloquer des zones, non? Je sais pas, on va voir, on va voir. Allez. Let's go. Du di du du di du di du di du 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 du. Hey, c'est quoi ce regard? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Rassure-toi, je suis bien vivante. Cependant, je ne suis pas la même Lucia que tu as rencontrée auparavant. C'est un peu compliqué, mais juste comme toi. Créé à partir du même type de technologie de clonage. La technologie utilisée sur moi, cependant, est un peu plus ancienne. Il m'a donc fallu un peu plus de temps pour pleinement me préparer. C'est pourquoi je me présente tout à coup. Je suis désolé de ne pas être venu t'aider contre le docteur Belote. Pauvre Luan, elle a décidé de porter le fardeau du monde. Et c'est maintenant... Et maintenant, de nouveau avec le cœur de mer. Cependant, Fulito, ce n'est pas, espérons-le, la dernière fois que nous la verrons. En fait, si nous travaillons ensemble sur cette idée, je suis certaine que nous serons en mesure de la sauver. Ah. Ah, bon sang, ce clone. J'en ai vraiment besoin d'un fait avec la même technologie que nous avons utilisée pour te faire. Avant de pouvoir la sauver, voyons si nous ne pouvons pas faire quelque chose pour me réparer un peu en premier. Plutôt, y a-t-il moyen de m'emmener avec toi dans l'espace zéro? C'est juste au-delà du cœur. Afin d'atteindre l'espace zéro, tu auras besoin d'utiliser mon TCS avec moi depuis le cœur. Et te diriger plein nord. Ok. On fera ça, mais plus tard, du coup. Demande gentiment mon TCS. Ouais, on fera ça plus tard, hein. Du coup, on a parlé un petit peu. Je pourrais le faire maintenant, mais voilà. Hein. J'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie de le faire maintenant. Après, je sais pas si. Parce que si je fais ça, est-ce que ce sera long? Bonne question. Non, je pense que c'est bien de se laisser ici. Regardez les fameuses... ce que je disais, justement. Mais à mon avis... Bah oui, pour l'instant, il n'y a rien. On peut rien faire. Pour l'instant, il n'y a rien. On peut rien faire. C'est triste, quand même. C'est très triste. Est-ce que... Là, regardez. À chaque fois, il y a faux paradis, mais je peux pas y aller. Hein, on est d'accord. Ça me téléporte où, ce truc-là? Ouais, ça me déporte à l'intérieur. Ok. Bon, très 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 bien.
très 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 bien. Bon, bah écoutez, on va se laisser là. On ira au truc 0 la prochaine fois, je pense. Je vais farmer, certainement, en off. Continuer pour préparer, pour faire un Stark et tout. Donc je pense que je vais faire ça. Ouais. Je regarde juste si je peux aller un peu n'importe où. Si je veux aller, mettons, je veux aller là. Je peux y aller. Le scénario ne m'oblige pas à... Non. Non. Ok. Ok. Très bien. Alors, super. Un combat. Je m'en fous des combats. Barrez-vous. Déjà, je vais combiner parce que c'est classe. Voilà. Et on se barre. Très très bien. Bon bah écoutez, on va se laisser là pour la suite. Alors, il y a évidemment il y a le truc. Hein, j'ai envie de ici, j'ai envie de le découvrir. Hein, ce, il est où? Il est quelque part. Il est quelque part le là-bas. Oui, il est là-bas le scooter. On va pas aller voir maintenant hein, parce que vaut mieux d'abord faire le truc dans l'ordre et d'aller déjà. Aider Lucia, mais on verra hein, si ça fait quelque chose ou pas par la suite. On se laisse là en tout cas. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vais retourner quand même pour un truc un petit peu plus gay. Je vais retourner là-bas. Voilà, je vais retourner ici et puis ben, on va se laisser là. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis ben nous on se retrouve bien très bientôt je pense pour la suite. N'hésitez pas à donner aussi plein d'indices et tout, enfin pas des indices mais voilà, n'hésitez pas à bien commenter, donner des petits trucs ou même des avant-goûts hein, ce... voilà hein. Je vous laisse, je vous fais confiance, bref on s'installe et à la prochaine, allez bye tout le monde.